Jolivet Hervé, exploitant dans le département de l'Ain, 38 vaches laitières avec une référence de 268 000 litres de lait. Une SAU de 80 hectares, dont 55 en prairies et 35 en céréales. Je me suis installé en 1990, j'ai repris l'exploitation de mes parents. Jusqu'en 2013, j'avais aucun souci. Et en fin 2013, j'ai gardé quelques vaches qui avaient quelques cellules parce qu'il me manquait du lait pour faire mes quotas. En 2014, j'ai eu une hausse de leucocytes terrible. J'ai été déclassé pendant 3 mois. J'ai appelé mon conseiller. On a effectué une traite ensemble. Bonjour, bonjour Hervé. Comment ça va? Ça va? Ouais. Bah, des soucis. Donc ce que j'ai préconisé à Hervé, c'est de changer dans un premier temps les manchons. Deuxièmement, c'était au niveau de l'hygiène de traite, donc primordial pour la qualité du lait derrière, puisqu'une lavette lavait 20 vaches. Donc je lui ai préconisé de supprimer l'usage de ces lavettes collectives et de passer par contre avec un produit de pré-trempage, suivi d'un essuyage papier. Également en fin de traite, c'est d'appliquer un post-trempage, donc produit filmogène cosmétique qui permet de préserver l'aspect sanitaire du sphincter après la traite tant que le sphincter n'est pas refermé, de 1 demi-heure à 1 heure. En troisième lieu, c'était de respecter un temps d'attente dans la préparation des animaux pour que l'efficacité de l'ocytocine soit opérationnelle. L'ocytocine qui va permettre, donc au bout d'un moment, environ 35 secondes à 1 minute, de libérer les acinies, hein, donc réservoir de la sécrétion lactée. La complexité dans l'aspect leucocytaire, c'est que les causes peuvent être multifactorielles. Les raisons peuvent se situer au niveau du bloc traite. Elles peuvent se situer également ailleurs, au niveau de l'environnement, des bâtiments, de la stabulation herpaillée et compagnie. Dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à faire appel à un conseiller pour se faire aider. Le but n'est pas de porter un jugement de valeur, c'est simplement d'avoir un œil neuf, un regard extérieur sur des pratiques, sur des façons de faire qui, au fil du temps, peuvent dériver et s'avérer être nocives pour la qualité du lait. Aujourd'hui, je suis repassé en dessous de 140 000 cellules. Ce que je retiens de mon problème, c'est qu'il faut appeler le conseiller le plus tôt possible.